Absolument, c'est un rôle, c'est un grand rôle, je crois, pour et Patrick Huard. Mais même à l'écriture, on savait, étant donné que c'est l'histoire d'un mec qui va rencontrer plein de gens qui sont dans différentes situations, il fallait éviter le sentiment que l'histoire devienne anecdotique, une suite d'anecdotes. Alors, ça prenait vraiment un fil rouge pour coudre tout ça ensemble. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit le scénario avec le personnage de David Wozniak dans chaque scène. Alors, c'est toujours vu à travers ce que David vit. Alors, évidemment, ça prenait un acteur avec les épaules assez costauds pour supporter le film, parce qu'il est là dans chaque scène. Et puis, j'ai tout de suite pensé à Patrick Huard. J'avais très envie de travailler avec lui depuis longtemps. Et puis, c'est quelqu'un, c'est un acteur exceptionnel, mais c'est aussi quelqu'un qui comprend très bien la comédie. Alors voilà, je lui ai envoyé le scénario et puis il a voulu faire partie du projet. Au Québec, Patrick, c'est quelqu'un de très connu. Il a fait du stand-up, il fait encore du stand-up, il a joué dans plusieurs films. Il est lui-même un réalisateur, scénariste, donc c'est quelqu'un que les gens connaissent, que les gens connaissent bien. Et je dirais que le personnage de David Wozniak, c'est un rôle de composition. Les gens qui ne le connaissent pas du tout, on pourrait peut-être croire qu'il est un peu comme ça, un peu comme ce personnage, mais non, c'est vraiment un rôle de composition, donc c'est tout à l'honneur de Patrick.